Donc peut-être si je me planque peut-être en mode quoi en haut d'un rocher. Donc on va garder la masse et on va utiliser son rapide pour pouvoir le battre. Je pourrais pas parer mes coups mais il va falloir que je l'attaque assez rapidement. Donc voilà. Bah là là, allez, c'est bon. Je m'en fous, allez, dépêche. De quel droit ouais. Prétends-tu entrer ? Voilà, je suis enfant de dragon. Voilà. Je vais te killer, c'est tout. Ne peut passer ce monde avant que j'ai jugé sa valeur. Oh là là, en deux coups les amis, il m'a tué. Si ça c'est pas mythique, j'ai 200 d'armure, en deux coups il m'a tué le mec. Non mais c'est sérieux là? Ouh putain la vache quoi. Moi je suis que level 24, mais bon quand même les amis, je suis... Comment dire? Oh, je suis déçu. Donc attendez, on va reculer un peu, on va attendre que ma vigueur remonte. Au pire, ce que je vais faire, je crois que j'ai une potion de vigueur pour que ça aille plus rapidement. Magie, je m'en fous. Invisibilité. Ah bah j'ai des potions de santé, donc peut-être que je... Bah, pourquoi j'y ai pas pensé? On va m'expliquer, à des moments où je suis vraiment bête quand même. Voilà. Hop, une petite sauvegarde rapide. Donc on va utiliser le bouclier tant qu'à faire, tant que j'ai des potions. Et on va parler avec ce monsieur, comme d'habitude, encore. Ça fait exactement 4 fois qu'il me tue, donc là je pense que la 5ème c'est la bonne. J'espère jamais 203 les amis. Hein. Ouais. Bah, s'il arrive pas à me tuer en deux coups, ça serait pratique. Mmh. Allez, oui, ok. Oh putain, de droit de naissance, je suis enfant de dragon. Donc voilà, là après il va vouloir m'attaquer. Je peux échapper au truc du guerrier, ok. Bon allez, viens là, je t'attaque. Potion. Ah putain, ça va être chaud de le battre, je sens. Ça va être vraiment... Ah bon, ça va, j'ai plein de potions légères. Voilà, 100 points de... Voilà, plus des potions légères. Voilà, allez. Reviens là. Non mais attendez, je viens de reprendre toute ma vie. Non mais est-ce que vous êtes sérieux là? Oh là 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 là, je sais pas comment je vais faire. Donc on va essayer de faire mode quoi. Ouais, j'avoue c'est épique, c'est Muteki. Je pense que Bob il serait là, il se foutrait de ma gueule quoi. Bob Leno il se foutrait de ma gueule. Alors on va essayer de repérer un endroit où je pourrais monter et essayer de l'attaquer à distance. Donc voilà. Donc essayer. Hop. Peut-être avec l'arc, voir. Putain. Voilà. Sérieux. Je me fais laminer, les amis. Donc jamais 203. Au bout de 203, peut-être je vais réussir. Hein. Donc là, ça commence à me péter les couilles. C'est ça, c'est clair. Ouais, ouais, ouais. Non mais attendez, en deux coups, il me tue quoi. Tu as bien combattu. Ouais, j'ai bien combattu, je me suis fait laminer comme une merde, c'est tout. Y a pas d'autre mot. Putain, je me demande ce que c'est sa hache. Et puis il doit être à 100 en... Je suis sûr, elle est à 100 en arme à deux mains, c'est pas possible. Bon, les amis... ouais, non, je suis dans le... Je crois pas que je puisse faire de déplacement rapide ici. Ah, aussi de ma carte. Donc je sais même pas où je suis. Donc je suis dans le monde des morts. Putain, je vois même pas sur la carte où je suis. Bon,
Je sais pas. Alors attendez, je vais voir si j'ai des potions peut-être qui augmentent des trucs. Hein, qui m'augmentent des capacités. Alors, respire sur. M'en fout de ça. Potion de magie. D'invisibilité éphémère. Donc, pouvoir l'attaquer pendant 20 secondes. Donc, ça, ça serait peut-être pas mal à faire. Et donc, lui faire des dégâts, comme vous le savez, à une main, mais planqué. Donc, peut-être que je vais faire ça. Ça serait peut-être une bonne solution. Donc, voilà. On va aller lui parler. Et après, de suite, j'utiliserai cette potion. Et me mettre accroupi. Donc me mettre accroupi, hop, et devenir invisible. Donc je pense pas qu'il puisse me détecter, on va voir. Hein. Et là, lui mettre des sales coups de traite par le dos, c'est le seul moyen, je crois, de le battre. Parce que il est méga fort, ce mec. Oh putain. Donc 6 fois, allez. Putain, 6 fois qu'il m'a tué. Je reviens pas. Mais il me tue trop facilement en plus. C'est un truc de branque, les amis. Je suis déçu. Mort ou vivant, par ordre de Shor, nul ne peut passer ce pont avant que j'aie jugé sa valeur en le soumettant à l'épreuve du guerrier. Ouais. Donc là, on va prendre l'objet. On va voir si la potion marche. Potion pour devenir invisible. Hop. Hop, accroupi. Donc là, il me voit maintenant. Donc en fait, ça m'a pas aidé vraiment, les amis. Donc on recommence. Ça m'a même pas duré 20 secondes, la potion. Donc il me voit quand même quand je suis invisible. Pour m'expliquer, c'est ce mec, il est cheaté. Il est complètement cheaté. C'est un truc de branque, putain. Ouais, ouais. Donc vous me voyez galérer, les amis. J'espère que vous fendez bien la gueule. Parce que moi, je rigole pas trop, j'aimerais le buter, cet enculé, là. Et j'avoue que ça va être super, super difficile. Ça va être Mouteki, je pense que je vais y arriver. Alors, excusez-moi de piquer l'expression de Bob Lennon. Parce que Bob, tu serais là, ben, tu te moquerais de moi. J'espère que tu verras pas cette vidéo. C'est complètement Mouteki. Je me fais tuer comme une vieille merde, putain. Ah, peut-être je peux essayer de... Ah putain, il n'a rien. Je peux rien lui piquer. Vite, potion, potion. En espérant qu'il me tue pas juste après, les amis. Reculer un petit peu. Voilà, il a raté sa méga attaque. Oh, sérieux? Vous êtes sérieux? Mais c'est un géant, le mec. Je suis pas accroupi, là, les amis, pourtant. Oh, il faut même pas le tuer, en fait. Faut à peine le blesser, les amis. Bon, ben ok. Donc il faut passer par là. C'est un peu dangereux, hein, j'avoue. Waouh, waouh. Putain, c'est un dos de dragon, mais il doit être immense, ce dragon. Enfin, c'est plusieurs. C'est un pot en os de dragon. Alors, ça, quand même. Je veux le même. Ouais. Donc là, je suis rentré chez le royaume des morts, donc F5, pour pas recommencer à me battre contre lui, les amis. Putain. J'ai cru que j'allais jamais y arriver. Donc il m'a fallu 7 fois. Ah, 7. Donc peut-être chiffre... C'est un chiffre 7. C'est peut-être... C'est le chiffre chance, donc... Bah, peut-être que j'aille jouer au loto demain. Ou faire vérifier mes tickets de loto aussi. Il faut que je suis gagnant du loto. Dans ce cas-là, bah, si je suis gagnant du loto, mais... Ça va être Mouteki. Ça va être la fête pendant 10 jours. Oh, je suis au royaume des morts.
C'est qui? Enfant de dragon. Notre Isgramor. Ah oui. Alduin a posé son piège à âme ici. Ah, sur ordre de Shor, nous avons rangé nos armes et nous ne nous sommes pas aventurés dans les brumes sombres du Val. Mais trois des nôtres n'attendent que vos instructions pour faire connaître leur fureur à l'ennemi. Ah, ça c'est chouette. Ils vont venir m'aider à tuer le vaillant, un guerrier à la main extrêmement lourde, et Feldir l'ancien, qui a un œil de lynx. Il n'y a pas de souci, venez les amis. Donc je sais pas où il faut que j'aille. Il y a les trois trucs là, je vois trois. Vous avez voyagé longtemps et sur. Ah nickel. Donc est-ce que j'en choisis un ou est-ce que je choisis les trois? Depuis 100 vies, mon cœur rêve de se venger d'Alduin. Il n'a que trop attendu. Et en plus, je crois que c'est moi qui t'ai tué, toi. Conseil, avant de rejoindre aveuglément le combat. Les chansons, comme la brouillard du cerveau. Mais en joignant nos voix, en unissant nos forces, nous pouvons dissiper la brume. Donc déjà, on va remettre le cri pour tuer ce dragon-là. Donc Alduin, il est sensible qu'au fond dragon. Allez, ça bug ou quoi? Bon ben c'est ma souris le bug. Je sais pas pourquoi. Vous me suivez ou pas alors? Bon ben on y va, on va le buter hein. Ben oui j'espère. Voilà, terminé, sauvegarde. Ok. Donc là il faut commencer la chasse au dragon. Ils sont derrière moi ou pas? Je sais pas où ils sont, ok. Aider les héros de sang à dissiper la bombe d'Halloween. Ouais. Et comment on fait?